Si l'abbaye de Westminster a été le lieu le plus couru d'Europe lors du sacre de Charles III, le 25 Albemarle Street à Londres, l'a suivi de près le même week-end. En effet, la veille du grand événement, les locaux auraient vu de nombreuses personnalités publiques se glisser dans les halls et les salles à manger qui se cachent derrière la porte bleue. Bien connu de l'aristocratie, mais aussi des membres de la famille royale britannique, le Oswald c'est le club le plus exclusif de Grande-Bretagne. Eugénie Dior qui a fêté son anniversaire, le prince William y a fêté Noël. En 2022, le prince de Galles avait également été photographié quittant le Oswald à 23 heures après avoir rejoint un ami. Richard Eden, rédacteur en chef du journal britannique le Daily Mail, explique qu'auparavant William avait l'habitude d'être vu dans des clubs tels que Bougie ou Mighty. Aujourd'hui, vous avez plus de chances de le trouver au Oswald. Selon lui, le club serait devenu un lieu où les membres de la famille royale peuvent se détendre en toute tranquillité. Le prince William et Catherine ont été parmi les premiers à s'y rendre, précise Richard Eden. D'après ces informations, le propriétaire du Oswald, Robin Birley, garantit non seulement un cadre élégant et décontracté, mais aussi la discrétion. Nous entendons rarement parler de ce qui se passe derrière les portes du club. Entrepreneur britannique, Robin Birley possède également le 5 Hertford Street, où le prince Harry et Meghan Markle auraient eu leur premier rendez-vous. Il est régulier d'ailleurs que le propriétaire accueille lui-même les invités en compagnie de son chien Peg. Prince William, ses années de Playboy Youth Club vouées à l'aristocratie ouvert en 2018, le club porte le nom du grand-père du propriétaire, Sir Oswald, portraitiste royal. La photo du défunt serait d'ailleurs fièrement accrochée derrière la réception. Selon Charlotte Griffiths, rédactrice en chef du Mail on Sunday, Robin Birley a décidé d'ouvrir le Oswald dans l'espoir d'attirer une clientèle typiquement aristocratique. L'objectif est atteint. En effet, la veille du couronnement, Mike et Zara Phillips y ont rejoint Béatrice, Eugénie, la princesse Anne et son mari, le vice-amiral Sir Timothy Lawrence. Le prince Andrew, la princesse Béatrice et son mari Eduardo Mappelli Mosi, le duc et la duchesse d'Édimbourg et leurs enfants étaient également présents. Oswald a également accueilli ce soir-là un groupe de têtes couronnées étrangères, dont le prince Albert et la princesse Charlène de Monaco, ainsi que la princesse héritière Victoria de Suède. Article écrit en collaboration avec Cimedia. Crédit photo, agence.